Bon, comme promis, aujourd'hui je vous montre mes ongles et mes cils, donc du coup ils sont tout neufs. Bon, je suis malade, hein, donc faites pas trop attention à ma tête, j'ai plein de boutons, j'ai plein d'imperfections, je sors de ma douche. Mais voilà, donc pour commencer, mes ongles, toujours pareil chez Queen Nails, donc vous, certains d'entre vous avez deviné, j'ai décidé de mélanger du rose et du vert, et j'ai choisi avec elle en fait, tout simplement parce que je suis arrivée en lui disant, j'ai envie de couleur de rose apparemment. A priori, mais pour le reste, je ne sais pas. Et donc, du coup, on a regardé ensemble et on a trouvé ce joli modèle. Et du coup, on a décidé de le faire. On a fait les deux doigts en couleur verte avec un top coat mat. Et le reste, c'est brillant, comme d'habitude. Donc, voilà. Je suis très contente. Je vous posterai une photo comme ça. Vous pourrez les voir dans mon feed si vous voulez prendre des idées. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, mes cils. Je vous avoue que c'est hyper dur de me montrer sans filtre parce que vraiment, je sais pas ce qui s'est passé. À la fin du week-end, j'ai commencé à voir tous les boutons qui ressortent, tout ici. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas pourquoi, je suis même pas indisposée. Bon, enfin bref, du coup, bah, on a décidé d'assumer sans filtre, on assume jusqu'au bout. Donc voilà, vous avez ma gueule, la réalité. Donc pour mes cils, toujours pareil avec Sabrina, donc chez mon Instancil. On a fait toujours la pose que j'aime, c'est-à-dire une pose pas trop longue, assez naturelle, avec une longueur 11. Globalement avec une petite pointe de 12 pour un effet œil de biche puisque du coup on part sur un petit dégradé. Donc bah voilà, la pose elle est toujours impeccable. Vous voyez, ça fait quand même relativement naturel, ça fait pas des cils trop longs. Moi c'est pas ce que je recherche, mais par contre j'ai l'effet que je recherche. Moi c'est de me lever le matin, de pas avoir à me maquiller, en tout cas au niveau des yeux, parce qu'on a toujours cet effet bonne mine grâce aux cils. Donc voilà, au niveau de la pose, bah toujours impeccable puisqu'elle est hyper professionnelle et elle vous aiguillera toujours vers la... Je vous disais, Sabrina, elle est toujours très professionnelle puisqu'en plus de ça, elle est visagiste. Donc, elle va vraiment vous aiguiller vers la pose qui vous correspondra le mieux tout en respectant vos envies. Évidemment, si vous lui demandez quelque chose de très long, elle vous mettra du très long. Mais elle fera en sorte que ça corresponde à votre regard, à votre morphologie. Enfin, à votre morphologie, surtout à votre ligne de visage, enfin tout ça. Donc, pour ça, c'est top parce que du coup, on est sûr de repartir avec quelque chose qui nous correspond et surtout qui va tenir parce qu'en... En fonction de vos cils, une pose va peut-être être plus facile à entretenir sur le long terme. Du coup, va peut-être mieux tenir qu'une autre. Donc, du coup, voilà, ça, c'est elle qui saura tout vous dire. Et voilà, et pareil, bah, toujours Sabrina, elle est rapide au niveau de la pose. Et moi, ben, c'est hyper important parce que je suis quelqu'un qui déteste vraiment rester immobile et les yeux fermés pendant longtemps. Donc là, je sais qu'à chaque fois, c'est rapide. Voilà mes loulous. C'est la première fois que vous venez faire une thérapie. Oui, et je viens vous voir parce que j'ai l'impression que mon mari devient un peu un manipulateur pervers en ce moment. Alors, avant d'employer des termes aussi forts, décrivez-moi un peu votre mari, d'accord? Bah, il est de plus en plus agressif, il me trompe beaucoup, il... Pardon? Non, excusez-moi, c'est juste que... Bon, j'enlève le masque de psychologue 2 secondes. Hop là! Non, c'est juste que mon ex-mari était pareil, donc je vois très bien à quoi vous faites référence. Voilà, je le remets, tac. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? J'enlève le masque encore une fois. Bah, quittez-le ce bâtard, bien sûr. Moi, j'ai fait ça, ça a très bien marché. Jordan, si tu le fouettes encore une seule fois, c'est moi qui te fouette là. Oui, mais m'a dit ta mère la caissière. Chris, pourquoi tu as dit ta mère la caissière? Mais elle est caissière, sa mère. Elle est caissière, ta mère? Oui.